Hello les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce jour 3 ou 4, je sais plus vraiment, de ce bootcamp Zilan. Aujourd'hui, on est lundi, on va sortir les gars, on va pas rester que dans l'appartement. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse des courses, déjà premièrement, ce serait bien, pour remplir un petit peu le frigo. Et deuxièmement parce que à titre personnel, il faut que je fasse ma procuration pour que mon père aille voter à ma place pour les élections du 10 avril. Parce que je l'ai pas faite avant et j'ai totalement oublié, et du coup faut que je la fasse maintenant. Voilà, je sais, super, on passe à très bon moment. En tout cas, je vous m'accompagne pour cette procuration, bien évidemment je prendrai pas la caméra au sein de la gendarmerie nationale pour éviter toute peine de prison éventuelle. On va éviter déjà de se faire gauler. Bon allez, on est parti, on va aller faire les courses et en même temps faire notre procuration. Je viens juste de trouver ce petit boulon. Je viens de trouver ce petit boulon là par terre. En toute honnêteté, j'espère que ça appartient pas à un setup d'un d'entre nous. Parce que sinon c'est chaud. On va avoir des trucs qui vont nous tomber dessus. Ça, c'est ce que j'appelle du beau temps. C'est bien les Lyonnais. Enfin, on a attendu longtemps avant d'avoir du soleil. Hein. T'as trop la rage. Ouais. Ça fait plaisir en tout cas. En plus, il fait pas trop chaud et il fait pas trop froid non plus. Il y a une petite brise, c'est pas mal. On rentre dans la voiture. On va tout de suite au commissariat. Et en plus, coup de chance, le commissariat est juste à côté d'un Lidl. Lidl, magasin préféré des Français. Je sais pas si c'est vraiment le magasin préféré des Français. En toute honnêteté, je suis bien content d'avoir passé mon permis à Metz. Hein. Parce que vraiment, je trouve que rouler à Lyon, c'est horrible. Toutes les routes, elles s'entrelacent, t'as des sens interdits partout, t'as pas le droit de tourner à droite et à gauche, t'es obligé de suivre des lignes droites, c'est horrible, c'est infâme. Tu fais une erreur, t'en as pour 15 minutes pour retourner là où t'étais. C'est incroyable. Allez-y, madame, traversez. De rien. Elle m'a fait un sourire. Let's go, j'ai une touche. En plus, comme il fait grave beau, tous les gens sont sortis. C'est terrible, vraiment. Voiture. Ok, tout va bien. Vélo. On l'évite. Ça n'empêche d'aller faire des courses à midi, c'était peut-être pas la meilleure idée. Hein. Bon, normalement, je suis arrivé au Lidl. Pas sûr. Oh, c'est un Super U. C'est pas un Lidl. Ah, si, si. Il y a un Lidl et un Super U au même endroit. Let's go, on est garé. Bien évidemment, mesdames et messieurs. Oula. Avant de faire vos courses, n'oubliez pas de prendre un caddie. Pour ça, il faut des pièces de caddie. Ok, c'est bon, j'ai une pièce d'un euro. Ouais, bah ouais, une Zilan, c'est pas que du training. Hein. C'est aussi des moments où il faut savoir faire preuve de maturité. On va pas pouvoir commander Uber Eats toute la semaine. Non pas parce qu'on en a pas envie, mais surtout parce qu'au bout d'un moment, ça coûte cher. C'est toujours le bon moment pour passer un petit message de prévention. Si vous commandez régulièrement sur Uber Eats, faites attention à vos porte-monnaies. Merci à tous. En plus, on a fait des... Enfin, j'ai fait des courses de gros porc. On est bon. J'ai oublié ma caméra. Eh, premier degré, vous devriez voir la tête de Rémi. Il a pas envie d'être là, hein, je rigole zéro. Il y a 5 minutes, hein. Je les ai réveillés pour m'aider à toucher le déchargeur parce que j'avais la flemme de faire des allers-retours. D'ailleurs, programme aujourd'hui. Programme Oui, Den Ring en relais et Adjo Camper en relais. On est obligé. Pourquoi tu te caches, Dragon? T'as une tête de cul, assume-la, c'est bon. Mais non, mais bleu. Okay. Attends, mais t'es frais, toi, tu t'es réveillé à combien de temps? Il y a 2 minutes. J'arrive dans sa chambre ce matin, tu vois. Et je lui dis, Théo, il se réveille, ouais, quoi? J'ai pas de micro-sieste là, le temps de monter. Tu vas au petit? Ça va que Drago fait des micro-siestes c'est à chaque chargement de game. Ah, voilà. Même dans les chargements de porte Elden Ring, il fait des micro-siestes. Ouais, genre comme ça. Est-ce que c'est pas parce que juste t'es mort, genre fatigué, genre éclaté? Je trouve ça trop broken, tu vois. Je trouve ça juste trop fort. C'est un peu dommage. Et du coup, avec ton scoot, tu regardes un peu, tu vois. Genre, normalement, quand t'es en avance, que tu gères bien tout ce que t'as fait là, tu peux pas des scouts en même temps. Donc c'est de pas regarder parce que des fois il passe à côté des moutons et il les loupe. Je reviens parce qu'en gros là ils vont plus avoir de moutons et du coup ils vont être AFK. Du coup je reviens pour donner un mouton en plus. Le TVG. Mec, t'as un rêve avec toi mec. T'as rêvé de moi avec toi. T'as rêvé de moi. Ok, vas-y dis-moi. J'étais en train de dormir. Ouais. Tu rentres dans ma chambre. Moi ouais ok. Tu regardes si je suis réveillé, tu crois que je dors. Et du coup tu rentres dans ma chambre, tu te mets à côté de moi. Pas dans le lit hein. Debout à côté de moi. Tu prends une seringue, tu me piques ici genre. Et tu m'anesthésies. Et genre après tu me découpes comme ça la joue et après je me suis réveillé. Tu t'en souviens? Ouais bah oui parce que en fait du coup je me suis réveillé. Je me fais oh putain je suis en train de faire un cauchemar et boum. Non si tu t'en souviens c'est que je me suis loupé. Quoi? Hein? Ah ouais non mais c'est un cauchemar. Oui non mais oui. C'est pas arrivé vraiment genre. Non bah non. Bah genre ouais. Bizarre genre. Ouais. Fais attention hein. Il paraît c'est quoi son cauchemar là? Enfin, je fais un bon ski à partir du moment où... C'est de la merde. Je ferme ma gueule, hein. Je me tais, hein. J'adore! Moi aussi je veux faire ça! Richla!
Je suis là, les gars. Je suis là. Vas-y. J'aime trop, j'adore. Ok, je mets un sec. Quoi? Non, pas de sel. Voilà, c'est l'info. Bon les frérots, c'est la fin de ce troisième jour de bootcamp. J'espère que ce stream vous aura plu en tout cas. Aujourd'hui, on a fait pas mal de choses dans ce vlog en vérité. J'espère que les vlogs vous font toujours autant plaisir. J'ai beaucoup de bons retours vis-à-vis de ça. En termes de vues, c'est vrai que ça fait pas autant de vues qu'à LG. Mais par contre, ceux qui les voient en général disent que ça change bien et que c'est, en tout cas, ça fait vraiment du bien sur ma chaîne. Donc en vrai, moi je suis plutôt content. Ça me fait kiffer et ça vous fait kiffer. Donc c'est le mieux en vrai. On se donne rendez-vous les petits potes tout de suite pour le confessionnal. Surtout qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses à dire. Ouais. Regardez-le. Grand 21. Oh. Il m'a embrassé. En tout cas, on a des choses à manger et ça, c'est cool. Bisous. Le secret Hein Le cyclette? Bootcamp! Oh, je suis noir! T'es quoi, mec? Feur? Oh! 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 Il m'a éclaté la jambe! Ah, des fois, t'as éclaté le fiac! Non, mec! Non, c'est bizarre! Wesh! Oh, pile ma flaque! Je sais pas ce qu'il faut. C'est une mise en scène. Ils m'ont enfermé. Les gars! Oh! Ah, mec! Allez, pour les trains, hein? Non, mais. Fatou, ça va? Théo? Oh, mec! Wesh! Oh. Mec, il m'a tapé! Ah ouais? Ah, je suis sûr, il m'a tapé, mec! Bah mec. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Non, je m'étends la jambe, j'ai mal. Mec, vous me respectez pas du tout. Attends, regarde, je vais tourner la caméra, mais il y a un mec bizarre qui me regarde. Mon frère en dehors là. Je crois que c'est... Oh! Par la chasse. Hein? Chasse-le. Pardon, la chasse, ok? Chasse-le. Non, mais non, j'ai pas la chasse, par la chiasse. Oh non, mais frérot, mais... Oh, mais ça pue! Oh non, je dors enfin, tout abuse, hein. Ça, c'est un combo de Drago et moi. Mais vous êtes allés ensemble? Oui. Allez, C4 Bootcamp. Je vais raconter que tu pues du fiac, mec. C'est pas moi celui qui allait avant. Je vais dire que t'as trop du cul pourri. Les gars, je... Les gars, vous êtes enfermés ensemble. Les amis, vous êtes ensemble dans la salle de bain. Moi aussi, j'ai envie de prendre ma douche avec vous. Ah, il y a eu un rôle, là, non? J'entends des bruits bizarres, mais... Oh. Les gars? Les amis, pourquoi moi aussi j'ai pas le droit de faire... Si tu ouvres pas la porte à 3, t'as perdu. 1... 2... 3. Mais il faisait noir? Secret bootcamp. Faut qu'on parte sérieusement de l'ambiance générale du bootcamp aujourd'hui. En toute honnêteté, je pense que on est actuellement en train de vivre un jour sombre. Le training s'est bien passé aujourd'hui, mais c'est vrai que je sens que tout le monde est un peu sur les nerfs. Mais tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Eh les gars, vraiment, franchement, je mens pas, il est trop bizarre. Tu fais quoi, mec? C'est ma chambre, quoi, de base. C'est quoi, c'est un prank? Mec, enfin, c'est ma chambre, tu sais, c'est à moi. J'ai opté pour une stratégie. Une stratégie en fait où j'essaye un peu de, voilà, d'être un petit peu différent de mes mates. Comme ça, ils vont croire en fait que j'ai des problèmes, ce genre de choses, que je fais des trucs bizarres. Alors que non, très clairement, je suis le plus intelligent, je suis un peu le cerveau de ce trio. Bichard, on a un problème, il se prend pour une armoire. Mais Drago, t'es pas une armoire. Mais c'est fermé toute seule. Est-ce que je peux ouvrir la... Tu n'es pas une armoire. Non, c'est vrai. T'es un homme. Ouais. T'es Drago. Un grand homme. Bah, 1m70. Je vais devenir le roi des pirates. Il est vraiment chelou, votre patin. Mais j'ai l'impression qu'il y croit bien vraiment. En fait, cette stratégie, du coup, a pour but...
Ah, pas spécialement de but, mais ça marche bien, en tout cas, ils le pensent vraiment, et ça c'est cool. Il y a une tension qui s'installe entre les joueurs, tension sexuelle, c'est incroyable. Je pense qu'on a tous envie de se sauter dessus, mais personne ose parler en premier. Mec, en fait, le concept, c'est du Secret Bootcamp, c'est que quand t'es là, bah je peux pas, c'est pas anonyme, quoi. En fait, le concept de Secret Bootcamp, c'est que dans Secret, il y a Bootcamp. Allez, Secret. On y va. Et du coup, bah, en fait, quand on t'es y là... va. Ouais, mais quand t'es là, du coup, je on y va. Ok, bon, il me braque. Quoi? Tu parles, c'est dans le nom en fait. Secret, c'est secret. En anglais, English. Non mais mec, t'es pas une armoire encore. Sinon, bon, le niveau continue d'augmenter, on s'entend bien, on y va. Le stress commence à monter, on arrive, on approche de la LAN. On va tout péter, on espère, parce que bon, ça va être compliqué, mais on essaiera de faire au mieux. Et puis voilà quoi. Puis voilà quoi, en espérant que mes mates ne m'emmènent pas à l'hôpital d'ici peu, parce que en vrai, ça va très bien. C'est eux qui sont un peu... Plus les jours passent et plus le niveau de training augmente, même sur la durée. Et je pense que Drago, je suspecte le fait que sa santé mentale diminue au fil des heures de training. Pour preuve, tout à l'heure, il se prenait pour une armoire, par exemple. Je sais pas trop quoi en penser. Sinon, Bichard, je sais pas, je le trouve un peu étrange. J'ai l'impression qu'il a des trucs à me dire, mais qu'il ose pas me dire. Je sais pas, donc trop quoi en faire. Mais en fait, mec, quand tu fais du bruit, j'attends. Tant. Au niveau du training général, je pense que la composition se passe plutôt bien pour le moment. Nos joueurs qui sont solides sur le terrain, on a nos ailiers qui sont toujours présents. Les occasions sont pas toujours concrétisées, mais je pense que au vu du nombre de ballons qu'on arrive à mettre dans la surface, on va pouvoir peut-être éventuellement marquer un but. Il faut qu'on arrive au moins à aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Ah merde, je me suis trompé de truc. Hein. Non, sinon... Plus sérieusement, on est solide sur nos appuis. Hein. Un peu d'appréhension pour la LAN, je pense que ça va le faire. J'espère qu'on va avoir de la chance sur les poules, parce que le tirage va avoir beaucoup de chance aussi, même en termes de focus. J'espère qu'on va avoir de la chance dans tout ça et qu'on va réussir à se faufiler en quart. C'est vraiment le strict minimum, je pense. Sinon, ce serait une déception, en tout cas pour ma part. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup buté sur les jeux. Donc, je pense que en termes de training personnel et de performance personnelle, je suis assez content, je suis assez heureux de moi. Mon équipe aussi, on aura bien rigolé. Le bootcamp en général aura été une expérience de fou furieux. Donc, en vrai, aucun regret à avoir là-dessus. Non, plus sérieusement, je me sens encore en dessous de mon équipe. J'ai beaucoup de choses à rattraper par rapport à eux. On sent qu'il y a eu plus de temps. Et qui sont peut-être tout simplement meilleurs que moi aussi, il faut le dire. Et du coup, j'essaie de tout faire pendant cette dernière semaine pour essayer de rattraper mon retard. Malheureusement, j'ai encore des cours à côté, même si je vous le bloque pas tout le temps. Il y a des moments où je travaille, il faut que je rattrape, que je commence à rattraper mes cours que je suis en train de louper petit à petit pour la Dylan. Mais voilà, c'est bon, c'est cool, c'est rigolo, c'est du bien. Je peux rien à dire, moi. Je peux rien à dire, vous regardez la vidéo là, abonnez-vous un petit peu là. Voilà, on se reverra quand même dans les vlogs. Peut-être qu'on se reverra du coup pour un autre secret de bootcamp. Mais voilà, maintenant on va continuer à taffer. Je vous aime, c'était Fatou. Ciao. Allô ? Listiclus ! Ouais, il est bizarre, Lucas. Salut à tous, c'est Bichard. Putain, Listiclus ! Tu peux le dire là ? Olive ! Tu ne m'échapperas pas longtemps, Fatou. Bien mec, on fait un truc, genre on se met tout nu et tout. On peut se mettre tout nu ou pas, Bichard? Si Bunket floute, il a dit. Oui. On s'en fout qu'il floute. Mais toi, t'as vraiment un problème avec les plans prêts. Non. Si. Dis-moi ton ressenti sur la DVN. Oui. En fait, je demande qu'est-ce que je vais porter ce soir. Mais c'est à moi. C'est à moi, les gars. Non, ça c'est à moi. Bah toujours, c'est à moi. Bah je vais te porter. Oh mec, tu m'as défoncé. Elle m'a dit la même chose hier. C'est moi ou il a bloqué la porte? Alors mec, il est vraiment le mec le plus con de France. La porte s'ouvre dans l'autre sens?